Bonjour, nous allons commencer avec le next to last session, the penultimate session in our discussion here. Our first speaker is Anna Zelinska. Anna s'intéresse à la méta-éthique, la philosophie de l'action et la philosophie de droit. Elle travaille actuellement à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, en tant qu'enseignante et postdoctorante. Et elle se prépare à partir en Allemagne et en Israël. Elle a publié notamment le texte clé « La méta-éthique » chez Vrin en 2013, plusieurs articles aussi critiquant les types d'argumentation proposés par la bioéthique. Merci beaucoup pour cette introduction. Je voulais juste dire un immense tout-à-rabat à tous les organisateurs qui sont ici. Et je suis vraiment ravie d'être là. Donc, c'est une situation privilégiée pour moi que de traiter les deux auteurs que je considère comme ayant accompli ce qui a été déjà qualifié ici hier d'un mouvement compatissant, n'est-ce pas? Je vais dire maintenant deux, trois mots en anglais, juste très rapidement pour résumer mon propos, et le reste, ce qui va suivre, ça va être en français. So, just a few words to situate my talk and to say what I'm going to say in 4 minutes in English, and then I will follow up in French. So, what I'm trying to say here is that, there are some people who try to work on Wittgenstein, on the Tractatus and Wittgenstein and Leninus. There's a comparison that has been made, for example, by Søren Overgaard. I'm trying to show that indeed Wittgenstein and Leninus should be compared, should be studied together, but not via Tractatus, but via philosophical investigations. Yeah, so this is what the main purpose of my paper, and now I'll continue to speak in French, and I hope that some of the slides will be at least half in English and you will understand some details. Thanks. Donc, je ne vais pas parler du visage, car le visage a été déjà évoqué par Kevin dans son propos d'hier, formidable, et des analyses suivantes ont été proposées par d'autres participants au colloque. Donc, je vais m'arrêter sur. Je ne vais pas explorer cette piste par ailleurs facilement. La question que je vais essayer d'aborder ici m'a été posée par l'un au 8e étage. Je ne vais pas dire qui est-ce qui l'a posée, il va se reconnaître. Donc la remarque faite était la suivante. Lévinas n'aurait pas dû parler de l'éthique quand il parlait de cette chose éthique, d'accord, de ses fondements. Il aurait dû penser à un autre mot qui correspond à quelque chose de plus fondamental. Et je ne sais pas si cette remarque est juste, mais elle exprime quelque chose, à mon avis, profondément intéressant. Et je vais essayer de voir, de montrer comment, effectivement, à la fois Lévinas et Wittgenstein ont réussi à donner les fruits, ces fondements, à fournir cette base qui, en réalité, est une base qui nous permet de lutter contre le scepticisme dont Elise a parlé tout à l'heure. Donc, effectivement, nous sommes dans une lutte contre le scepticisme et les deux philosophes, de leur façon respective, effectivement, ont essayé d'entrer dans cette guerre. Effectivement, en ce qui concerne la comparaison des détails de certains points particuliers chez les deux philosophes, c'est très souvent assez délicat, n'est-ce pas, vu que leurs ennemis étaient différents. Néanmoins, le geste philosophique, ce geste copernicien du début, à mon avis, est le même. Je vais essayer de le montrer. Donc, là, c'est l'abstract, c'est le résumé de l'interprétation du célèbre article de Søren Overgaard qui compare donc le Lévinas et Wittgenstein du point de vue de. Désolé. Donc, l'idée que Søren a lancée était la suivante. Il existe actuellement, depuis une quinzaine d'années, il existe une nouvelle façon de lire le Tractatus.
Cette nouvelle façon de lire le Tractatus a été introduite par James Collins et Cora Diamond. Et l'idée principale de cette nouvelle lecture est la suivante. Il n'y a pas de vérité éthique profonde qu'on pourrait énoncer. En revanche, le Tractatus, ou donc l'œuvre, doit être considéré comme un non-sens. L'ensemble de ces livres est un non-sens. Et ceux qui prétendent effectivement de comprendre le Tractatus, ce qu'il dit, passe à côté de l'entreprise tractarienne, n'est-ce pas? Et donc ça, c'est une lecture qui a été qualifiée de lecture austère de Tractatus. Donc pour Sorel, la comparaison effectivement entre Wittgenstein et Levinas peut passer par cela. Wittgenstein qui refuse de dire certaines choses, qui a certaines interdictions par le langage éthique, et Levinas qui ferait apparemment quelque chose de tout à fait similaire. James Collins et Cora Diamond, ce sont ces deux philosophes, donc effectivement cruciaux pour le mouvement dont je parle. La difficulté de ma présentation ici aussi, c'est que je pense que Cora Diamond est l'une des philosophes les plus importants aujourd'hui, et elle doit être lue, d'accord? C'est quelqu'un qui justement va au-delà de cette difficulté fondamentale de la philosophie analytique, qui est de ne pas toucher aux problèmes fondamentaux. Cora Diamond va au cœur des problèmes fondamentaux qui touchent tous. Donc, Cora Diamond, James Collins, c'est un petit peu plus technique, disons, mais Cora Diamond mérite d'être lu. C'est pas pour autant que, par exemple, sa lecture de Tractatus doit être suivie à son Bien. Donc, pour vous donner l'idée de l'ampleur du mouvement dont je parle, de cette nouvelle, dont Sorel parle, de cette nouvelle lecture de Wittgenstein, voici plusieurs ouvrages qui font référence. Le New Wittgenstein, c'est le mouvement fondateur. Beyond the Tractatus Wars, donc il y a des guerres autour de l'interprétation du Tractatus, l'interprétation qui est donc classique de Peter Hunker, et les interprétations nouvelles dont je viens de vous parler très rapidement ici. L'esprit réaliste, c'est l'ouvrage qu'on a des mondes qui est vraiment crucial et très important dans ce débat. À part effectivement l'idée selon laquelle le Tractatus doit être compris sérieusement comme un non-sens. Deuxième aspect intéressant de la pensée de la lecture de Diamond et Collins est qu'il n'y a pas de rupture entre le premier et le deuxième Wittgenstein. D'accord? Donc c'est une piste. Il n'y a pas de rupture radicale. C'est la même piste. Je simplifie un petit peu, mais disons les grands lignes, c'est ça. Et si je pense que Ethan Dorr, c'est précisément sur ce point-là, et on va le voir. Donc effectivement, moi j'essaie de défendre l'idée selon laquelle le Tractatus était je sais que le Tractatus disait c'était des choses tout à fait sérieuses et intelligibles, contrairement à ce que prétend la lecture austère du non-sens, c'est-à-dire la lecture qui nous dit que le Tractatus ne dit rien et de ces faits qu'il faut passer, qu'il faut le dépasser. Donc, Tractatus dit des choses, je ne sais pas si elle va le dire, évidemment, dit des choses, ces choses sont fausses, très souvent. Et néanmoins, le Tractatus doit être lu, précisément pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe dans l'ouvrage suivant, dans l'ouvrage clé de Wittgenstein, à savoir les recherches philosophiques. Les recherches philosophiques sont vraiment une critique minutieuse du Tractatus, en fait pas du Tractatus à proprement parler, mais de cette tendance de l'esprit que nous avons probablement tous, qui consiste effectivement à essayer, à chercher un certain idéal. Bon, je vais pas dire que c'est pas notre propos ici. Mais en tout cas, les investigations visent à critiquer une certaine tendance de l'esprit qui, elle est exprimée sous une forme parfaite dans le Tractatus.
Donc, le travail de Wittgenstein dans le Tractatus a comme résultat une série de prohibitions, alors que les recherches, au contraire, essayent d'enlever ces prohibitions. Je vais montrer les prohibitions en question d'ici quelques instants. Les investigations essayent de les enlever en enlevant aussi le mystère qui est attaché à ces prohibitions. Et de ce fait, effectivement, dans les recherches philosophiques, c'est la coaction qui devient le mode central de l'explication. On est confronté, dans les investigations, à un monde d'abord coactionnel, trivialement coactionnel, et cette coaction fondamentale est une condition même pour réfléchir. Pour commencer à réfléchir aussi à réfléchir sur la subjectivité. Donc la coaction est dans les investigations de première, ensuite vient la subjectivité, ensuite vient d'autres choses. Donc voici quelques passages du Tractatus. Sans doute beaucoup d'entre vous les ont déjà en tête, mais pour ceux et celles qui ne les ont pas en tête, je pense que ça reste assez intéressant. Donc, toutes les propositions sont d'égale valeur. Le sens du monde doit se trouver en dehors du monde. Dans le monde, toutes les choses sont comme elles sont et se produisent comme elles se produisent. Il n'y a pas en lui, le monde, de valeur. Et si on avait une, il n'aurait pas de valeur. D'accord ? C'est pourquoi il ne peut pas y avoir non plus des propositions éthiques. Des propositions ne sauraient exprimer quelque chose de plus élevé. Il est clair que l'éthique ne peut s'exprimer. L'éthique est transcendantale. L'éthique et l'esthétique sont un. Dit le Tractatus en même temps. D'accord ? Et là, c'est la célèbre fin du Tractatus. Les propositions sont élucidantes à partir de ce fait que celui qui les comprend les reconnaît à la fin de non-sens. Si en passant par elle, sur elle, par-dessus d'elle, il est monté pour en sortir. Il faut qu'il surmonte ses propositions. Alors, il acquiert une juste vision du monde. C'est dont on ne peut parler, il faut le dire. Ces passages-là, notamment, comme les passages suivants qui n'appartiennent pas au Tractatus, mais qui apparaît dans une lettre de Wittgenstein à son éditeur, donc j'attends juste un très rapide coup d'œil sur cette lettre, vous la connaissez sans doute. Le sens du livre est éthique. J'ai eu autrefois l'intention d'insérer dans la préface quelques mots qui ne figurent pas plus, mais que je vous livre cependant, car il se peut qu'ils constituent pour vous une clé. Je voulais écrire ceci, que mon travail consiste en deux parties. L'une qui est présentée ici, à quoi il faut ajouter tout ce que je n'ai pas écrit. Et c'est précisément cette partie-là qui représente l'essentiel. En effet, mon livre trace les limites de l'éthique, pour ainsi dire, mais l'intérieur. Et je suis convaincue qu'elles ne peuvent être tracées rigoureusement que de cette façon. D'accord ? Donc vous voyez la force de ces propositions, la difficulté que Wittgenstein a de parler de l'éthique, les interdictions qui se posaient effectivement en disant que tout simplement il n'y a pas de propositions éthiques. D'accord ? Les seules propositions qui peuvent se prononcer, qui peuvent se dire honnêtement, ce sont des propositions qui décrivent le monde. Donc il y a une modestie extrême dans l'entreprise tractarienne. C'est précisément ça qui... Revenons juste trois secondes sur la diapo. Donc cette diapo-là, évidemment, a inspiré la nouvelle lecture, le nouveau Wittgenstein. Donc c'est le Wittgenstein du Tractatus austère qui dit que tout cela n'a pas de sens. Bon, je pense que c'est donné trop de poids à ces propos-là. Je pense que ce propos, c'est un étage métaphorique. Mais bon, on ne va pas entrer dans ces détails-là. Ce qui nous intéresse effectivement plutôt, ce qui m'intéresse ici plutôt, c'est de dire que ces discours-là n'ont juste rien de divination, quelle que soit la lecture qu'on en fait. Donc sans doute pas la lecture absolument austère, mais sans doute pas la lecture classique du Tractatus. Ces deux lectures ne permettent pas de penser ce qui se passe tout cela ne nous permet pas de comprendre pourquoi Wittgenstein est essentiel et pourquoi Levinas
l'est aussi. Donc, ça c'est Soren, toujours. Levinas et Wittgenstein sont d'accord, selon lui, que l'éthique n'est pas véritablement un thème sur lequel on pourrait écrire des livres, parce que nous allons manquer ce qui est véritablement l'éthique. L'éthique transcende le monde, tout ce qui peut être dit dans les propositions, et les discours éthiques et les effets, à proprement parler, du non-sens. Mais un non-sens au sens très important. Est-ce que, donc, ma difficulté, continuons 3 secondes avec Robert, c'est que Robert trouve convaincant dans le Crapatus et la conception austère du non-sens. Il n'y a qu'un sens qu'on peut donner au non-sens, le non-sens simple, et avec ce non-sens, on n'arrive à rien dire, et il faut que ce soit pris au sérieux. Le Crapatus ne dit rien, il faut le rejeter l'échelle du Crapatus. Ça, c'est le moment. La phrase de la fin. Ça c'est une chose que j'ai déjà dit, donc je ne vais pas le dire, on n'a pas beaucoup de temps. Donc là, je voudrais mettre quelques doutes sur la pertinence même de cette comparaison. Effectivement, on n'a pas l'impression que Levinas pourrait dire que tout discours sur l'éthique est du non-sens. Hein. Comme il dit que les étangs sont. Les étangs sont la manifestation dont il dit elle est en vraie essence, que l'être et les étangs véritablement vrai soit dans le dit qui se présente avec l'expression de l'écriture, n'enlève rien à la vérité et décrit seulement le niveau et le sérieux du langage. Entrer dans l'être de la vérité, c'est entrer dans le dit, être et être parvenir, disons. Donc le sérieux du langage est très. Chez Levinas doit être effectivement pris au sérieux. Les Cratatus, en revanche, doit être compris comme une histoire du langage qui échoue à dire ce qui est important. Effectivement, en lisant le Cratatus, vous allez voir que très souvent, Wittgenstein recourt à la notion de l'image, effectivement, qui est centrale. Cette notion de l'image, qui apparaît déjà dans ses écrits de préparation, disons. Donc, regardez comment il s'exprime. Pardon, j'ai une citation en anglais, mais ça arrive. Donc, 7 ans avant la publication du traité, plus 4 ans avant l'écriture, il dit que sa seule difficulté, c'est la difficulté, l'immense difficulté de s'exprimer. Ce qui est, ensuite il dit, ce qui est. C'est dans le langage est une image, le langage ne peut pas l'exprimer. Et le sens de la proposition est ce dont elle est l'image. D'accord ? Donc vraiment, l'image est tout le temps, le langage est tout le temps mis en cause et est dans une situation d'impossibilité de dire quelque chose d'essentiel chez Wittgenstein. Ce n'est pas le cas chez Levinas. Levinas précisément dit que le langage, il faut le prendre au sérieux. On va voir ça. Donc, Overgaard, c'est la dernière citation d'Overgaard, effectivement, il nous dit que Levinas lutte avec le projet paradoxal d'écrire un livre sur l'éthique, alors que Wittgenstein s'intéresse à l'éthique. Alors que le projet de Levinas, au contraire, n'a pas l'air d'être un projet paradoxal. Car en effet, c'est ça mon propos ici, le Wittgenstein des investigations, des recherches, partage l'envie descriptive, le projet descriptif de Levinas. Et ce projet descriptif consiste à montrer clairement comment la nature fondamentalement correctionnelle de nos vies donne la forme à toutes les autres dimensions de ce qui compte. Et comment la subjectivité est un sous-produit de la correction. C'est ça le projet fondamental des investigations. D'accord ? C'est l'un de lui. Je trouvais ça particulièrement intéressant. Vous savez que, dans la recherche, dans Wittgenstein, il lutte avec lui-même du Tractatus, mais il lutte aussi contre les positivistes logiques, contre la manière dont les positivistes logiques ont vu le langage.
Donc il est particulièrement intéressant de voir que le même type de lutte, on la retrouve chez Lévinas. Donc Lévinas nous dit que pour Platon, Jung, le positivisme logique, la signification s'est réduite à des contenus donnés à la conscience. L'intuition est la source de toutes les significations, et les sens figurés doivent se justifier par les sens littéraires fournis à l'intuition. Et le langage, dans ces cas-là, effectivement platonicien, jungien, etc., le langage demeure premier pour selon la lecture de Lévinas. Et lui, il a donc envie de se défaire de ce que l'empirisme comporte des simplistes, sans perdre pour autant l'essentiel de la conception intuitiviste ou intellectualiste. Est-ce que Husserl est le retour aux données et une solution? Oui, mais chez lui, l'expression de signification ne sert qu'à fixer ou à communiquer les significations justifiées dans l'intuition. L'expression, en tant que telle, ne joue aucun rôle ni dans la constitution, ni dans la compréhension des significations. La signification, pourtant, donc pour Lévinas, rend la perception possible, mais n'est pas un aboutissement. Et donc, c'est par inventaire tous les contextes du langage, les positions où peuvent se trouver les interlocuteurs, est une entreprise insensée. Chaque signification verbale est au confluent de fleuves sémantiques. Donc, effectivement, nous nous trouvons dans un contexte linguistique coactionnel dès le départ, et cette vision du langage descriptif comme étant la façon fondamentale de voir le langage est rejetée chez Lévinas, et donc rejetée aussi par Wittgenstein des investigations. Et donc, ça, c'est une citation de Lévinas, et cette citation de recherche philosophique me paraît particulièrement parlante. C'est une citation culte des investigations. On la cite tous et toutes dans nos écrits, donc jetons un petit coup d'œil sur ce qui est dit. Mais combien sortes de phrases existent-ils? L'affirmation, l'interrogation, les commandements peut-être? Il en est d'innombrables sortes. Il est d'innombrables diverses sortes d'utilisation de tout ce que nous nommons signes, mots, phrases. Et cette multiplicité n'est rien de stable. Rien n'est donné une fois pour toutes. Mais des nouveaux types de langage, de nouveaux jeux de langage naissent, pourrions-nous dire, tandis que d'autres vieillissent et tombent en oubli. Les termes jeux de langage doivent ressortir ici que parler une langue fait partie d'une activité ou d'une forme de vie. D'accord ? Donc, vraiment, fondamentalement, j'ai l'impression que cette conception du langage est partagée par nos deux philosophes. Tout comme le langage, l'expérience n'apparaît plus faite d'éléments isolés, logés en quelque façon dans un espace euclidien où ils pourraient s'exposer, chacun pour son compte, directement visible, signifiant à partir de soi. Il signifie à partir du monde et de la position de celui qui regarde, nous Lévinas, nous dit Lévinas. Et donc ça c'est toujours dans cet esprit du Benjamin. Ça, c'est le langage. Maintenant, disons deux, trois mots sur l'éthique, et donc sur la particularité de la démarche lévinasienne et de la démarche wittgensteinienne sur ce champ normatif général. Donc ça, vous le savez sans doute, mais je me permets juste très rapidement de rappeler que le moment fondateur de la métaéthique contemporaine, c'est décliné en deux moments, en fait, c'est moment fondateur, dont c'était d'abord la publication de Methods of Ethics de Henry Sivick et la Principia Ethica de G. E. Moore. Regardez ce que les deux philosophes font. Donc Henry Sivick va nous dire l'objet immédiat de mon étude, pour inverser l'expression d'Aristote, n'est pas la pratique, mais la connaissance. D'accord ? Donc ça, c'est Sivick, vraiment celui qui a commencé à avoir de réflexion considère aujourd'hui comme alternative. Moore, fondamental, regardez comment lui, pour les groupes, donc Moore c'est vraiment, c'est quelqu'un qui enseigne à Cambridge, en même temps que, au moment où Wittgenstein traînait, par là, Moore, Russell, il était également, et donc
une agrice et une critique, et l'ambition qui était derrière ce livre, c'est d'écrire une sorte de prolégomène à toute éthique future qui peut prétendre à la scientificité. D'accord? Donc ce qu'il voulait faire, c'est de découvrir quels sont les principes fondamentaux du raisonnement éthique. Ça, c'est le premier discours méta-éthique qui est ensuite excessivement critiqué. Mais pourquoi Wittgenstein et la tradition wittgensteinienne va critiquer ce genre de choses? Là, je ne vais plus citer Wittgenstein parce que, comme vous savez, dans son œuvre postérieure, il ne va pas véritablement parler beaucoup d'éthique, donc je vais m'intéresser davantage à des auteurs manifestement wittgensteiniens. Là, vous voyez deux citations, donc Inge Arvismar Marduk, deuxième de Levinas, qui disent à peu près la même chose, justement en réponse à cette fondation que je viens d'annoncer. Donc, il a été assumé, dit Arvismar Marduk, à peu près que nous pouvons mettre l'une à côté de l'autre deux questions, distinguer deux questions. Quelle est ma moralité? Et qu'est-ce que la moralité autant qu'était après une période initiale d'excitation autour de cette distinction, l'éthique bouge plutôt et commence à ne plus trouver cette distinction aussi simple. Levinas nous dit quoi? Nous dit que l'éthique par elle-même est une optique, ça on a déjà vu, mais surtout l'opposition traditionnelle entre théorie et pratique s'effacera à partir de la transcendance de la physique où s'établit une relation avec l'absolument l'autre, la réalité, dont l'éthique est une voie royale. D'accord? Encore une distinction fondamentale qu'on retrouve dans une position fondamentale et un refus de distinction qu'on retrouve dans, dans les deux traditions. Cela se retrouve chez Corbeil-Eyland, donc j'ai essayé de vous faire d'abord une critique, mais maintenant ça va être plutôt un éloge, parce qu'effectivement son travail sur l'éthique est particulièrement intéressant. Elle a souligné cet aspect transcendant de l'éthique, disons, où elle nous dit qu'il y a deux manières, en citant Chesterton et en citant Wittgenstein, deux manières de concevoir l'éthique, l'éthique comme objet du discours, et l'éthique autant qu'elle ne possède aucun objet particulier. D'accord? Donc l'éthique dans cette tradition est en un sens partout. Ça me rappelle quelqu'un. Dans cette même, toujours dans cette même tradition, là, c'est beaucoup plus proche de moi parce qu'effectivement il s'avère que Jonathan Dancy est une philosophe que je suis, je vois, qui est ma référence principale. Jonathan Dancy, donc le particularisme moral, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire que, contrairement à bien d'autres auteurs, on ne pense pas que la motivation morale est spéciale d'une quelconque manière. Donc il n'y a pas c'est cet objet éthique à part qui serait là à être saisi, il n'existe pas, parce qu'il est partout. Ce qui caractérise aussi cette tradition post-Wittgensteinienne dans la philosophie morale, c'est le caractère non inférentiel de l'évaluation morale. Donc effectivement, on va dire, dans cette tradition, on va dire que l'obligation morale s'impose à nous, qu'il n'y a pas un raisonnement par des arguments sophistiqués qui nous conduit à une évaluation ou à une décision. Ça s'impose à nous. Ça me rappelle que... Oui, d'ailleurs, ça me rappelle le cas de la citation, mais je ne vais pas la lire en entier parce que vous la connaissez et le courant. D'accord? Donc, source de l'éducation, éducation évidente, bon, ouais. Donc, Corbeil-Eyland, continuons avec elle, puisqu'elle est vraiment très parlante, la justification en éthique comme partout ailleurs, c'est produit au sein de vie que nous partageons avec d'autres, mais que nous comptons comme faisant partie de cette vie. Mais ce que nous comptons comme faisant partie de cette vie n'est pas décidé en avance. La force de ce que nous sommes capables de dire dépend de sa relation à la vie des mots que nous utilisons, à la place de ces mots dans nos vies. Et nous pouvons faire parler les mots au moyen d'un argument, d'une image, d'un poème, d'une réelle description socratique. Et toutes sortes de choses
donc ancienne et nouvelle. Esthétique, par delà la vision et la certitude, dessine la structure de l'extériorité comme telle. La morale n'est pas une branche de la philosophie, mais la philosophie première, cette citation, on a vu plusieurs fois, mais j'ai l'impression que quand on contraste cette citation avec tout ce qui vient d'être dit au sujet donc, de cette tradition, de cette nouvelle tradition qui vient de cette tradition wittgensteinienne en morale, le rapprochement paraît plus qu'évident. Effectivement. Oui, ça c'est... Je vais faire un coup, j'espère que tout va bien. Donc on aura le temps pour la discussion. Parce que on a quasiment fini. Là, c'est une citation que j'ai préparée en réponse à plusieurs citations qui sont déjà des réponses, évidemment, que certains d'entre vous ont désormais connu à compléter. Mais cette citation est une réponse à l'accusation qui a été portée contre la philosophie analytique par certains d'entre vous, justement que la question de l'absence d'une réelle inquiétude, n'est-ce pas, du salut, l'absence de quelque chose de profond qui nous touche tous. Donc c'est Stanley Cavell qui nous fournit la plus belle citation allant dans ce sens, évidemment. Et c'est Stanley Cavell qui nous parle, qui nous explique que ce que nous avons, essayons de le lire parce qu'effectivement c'est extrêmement précieux, c'est une question de ce que nous partageons, des modes de réponse que nous partageons, de tout ce qui a de la signification et tout ce qui est important pour nous, ou tout ce qui est affreux pour nous. Hein, donc, tout cela, ça constitue des formes de vie wittgensteinienne. La parole humaine et l'activité humaine, le fait d'être ensemble, tout cela ne se pose sur rien d'autre, sur rien de plus, mais rien de moins non plus que cela. Donc, tout ce que nous partageons, c'est la seule chose que nous avons. C'est à la fois immense, c'est à la fois très petit. Cette vision est aussi simple qu'elle est difficile. Et as difficult as it is, and because it is terrifying. Comment tu aurais dit ça En polonais. Pardon. En polonais. En polonais, bien sûr. Vous voyez, non, je ne veux pas détruire cela avec une traduction qui ne serait pas aussi belle que l'original. Mais c'est le côté terrifying, évidemment, c'est le côté terrifiant qui est magnifique ici. Donc la simplicité et la difficulté mises ensemble, qui sont terrifiantes, mais qui sont tout ce que nous avons. Mais c'est énorme, d'accord. Donc il y a cette jaune ambiguïté qui est exprimée ici par ça. C'est une vision aussi simple qu'elle est difficile, et dans la difficulté qui est la sienne, précisément à cause de cette difficulté, terrifiante. Merci. C'est un problème. Voilà, donc c'est ça la profondeur et la force de l'approche de Wittgenstein, je crois, en éthique. C'est ça la manière dont Wittgenstein est quand même ici, évidemment. Mais là, je pense qu'il est purement Wittgensteinien. C'est l'esprit qu'il partage avec nous, c'est un esprit purement Wittgensteinien. Et dans ce sens, je pense que cette inquiétude fondamentale et cette envie de vraiment renverser l'ordre des choses et dire que nous sommes d'abord dans le contexte traditionnel, c'est ce que partagent les deux philosophes. Donc effectivement, la conclusion est triple. Donc l'acquis fondamental de la philosophie du XXe siècle, qu'on retrouve aussi bien chez Wittgenstein que chez Levinas, réside dans le fait d'avoir donné la place centrale à la présence constante d'autrui dans la pensée du sujet. Donc même s'il n'y a pas de théorie d'autrui chez l'image américaine, il n'y en a pas. Mais c'est parce que autrui, c'est parce qu'il n'y a pas de théorie de l'air, il n'y a pas de théorie de quelque chose qui est évidemment là, qui est la condition même de penser quoi que ce soit. Donc chez ces auteurs, l'éthique au sens classique, les principes ou les systèmes cohérents, a été remplacé par une perspective et non pas par une théorie. Donc cette perspective, c'est la perspective de la coaction, où le langage joue un rôle fondamental car il
c'est le matériau de la boîte. La difficulté des pensées d'éthique, qui s'est manifestée très différemment chez les deux auteurs, est liée précisément à cette difficulté initiale. L'éthique, pensée comme un souci de l'autre, est omniprésente et de ses faits parfois peu pertinente comme on tente de l'extraire des autres sphères du discours. Donc, du point de vue appliqué, ça commence à être. La difficulté se pose à partir du moment où on a envie de l'appliquer. Mais c'est une fausse difficulté. C'est évidemment le sujet qui m'intéresse énormément, sur lequel je travaille en philosophie pratique. Donc, cette difficulté peut paraître forte, en réalité, c'est une fausse difficulté. Donc, voici la manière dont je pense que les deux auteurs sont fondateurs d'un sont créateurs d'un nouveau et pas d'une théorie nouvelle en ce qui concerne dans cette sphère de la coaction morale. Et cette sphère de la coaction morale, c'est une sphère d'après, c'est la sphère de la pratique, c'est la sphère de la sphère. Voilà. Merci. Alors, nous avons 10 minutes pour discussion. Oui, je vais rebondir surtout sur le thème qui est apparu à la fin, notamment à travers Cadel, parce que ça reprend en fait, il me semble, la question que m'avait posée Corinne hier. Parce que ce qu'on voit bien dans le schéma qui est présenté dans cette conclusion, c'est deux choses. C'est que, premièrement, dans la perspective Wittgensteinienne, et on peut lire Levinas comme ça aussi éventuellement, mais enfin au moins dans la perspective Wittgensteinienne, c'est précisément parce que l'éthique est fondamentale qu'elle n'est pas détachable. Donc ça c'est un premier point. Oui, c'est pas critique. Pas du tout critique, je vais essayer de dégager ce qui m'est apparu. Le premier point, c'est ça, c'est si l'éthique est fondamentale, elle n'est pas du tout détachable. Le deuxième point qui m'est apparu et qui est particulièrement saillant dans la citation de Cavell, c'est que quand on dit qu'il y a une présence constante d'autrui, en fait, de l'élément éthique dans tous les aspects de l'expérience de l'existence, ce que ça veut dire, par exemple, quand Cavell l'explicite, c'est que nous sommes sans arrêt confrontés à nos partages. Qu'en tant que sujet, on n'est pas solipsiste, mais qu'on est sans arrêt hanté par nos partages. Et à ce moment-là, c'est un peu la question sur Corinne hier, quand elle demandait est-ce que l'antiféminisme est le même chez Carnap et chez Levinas, hein, avec la différence que chez Levinas, l'antiféminisme, il va requérir que autrui me donne le phénomène et me donne le monde. C'est-à-dire qu'autrui est explicitement nommé dans ce qui interdit un phénoménisme solipsiste, tandis que dans une perspective comme celle de Carnap, il ne sera pas explicitement donné, simplement on va dire on ne peut pas partir du phénoménisme solipsiste, on ne peut partir que du langage comme partage. Donc c'est toute cette alternative entre nos partages comme le fondamental qui nous hante dans notre subjectivité privée, ou bien autrui comme ce qui nous hante dans notre subjectivité privée. Donc ça, je trouve que c'est déjà une belle alternative à dégager comme tel, et c'est un enseignement de l'exposé. Et j'ai juste une autre remarque à ajouter, qui est que si je m'intéresse maintenant plutôt à l'autre élément que j'avais relevé, c'est-à-dire l'éthique est fondamentale et donc elle n'est pas détachable, ce qui me frappe, c'est que c'est quelque chose que certains imputent à Levinas. Il y a des gens qui disent en fait dans Levinas, quand Levinas dit que l'éthique est une philosophie première, ça veut dire que l'éthique n'est pas détachable. Ce dont je ne serais pas d'accord, mais je sais qu'il y a des gens qui disent Levinas comme ça. On peut estimer que chez Wittgenstein, c'est pareil, l'élément éthique il est omniprésent mais sur un moment détachable. On peut même remonter et dire que dans toute la tradition analytique, c'était toujours ça, éventuellement, il y a des gens qui essaient de le dire. Mais j'ajoute que si on prend la philosophie française subversive des années 60 et 70, ils sont aussi d'accord là-dessus. C'est-à-dire qu'un Deleuzien vous dira que, en fait, ce dont il s'agit dans toute l'œuvre de Deleuze, c'est l'éthique. Mais simplement, l'éthique ne doit jamais être détachée des polymorphies et des fulgurances de l'agencement dans toutes ces modalités avec ces ouvertures chaotiques. Mais quand même, ce sera la même idée d'une éthique non détachable. Alors, quand on fait ce tableau, moi je trouve ça nous convainc qu'il y a une thématique commune à toute la philosophie contemporaine, selon moi je serais d'accord, mais en même temps, le fait de vouloir maintenir qu'il y a une primordialité de autrui qui me fait défaillir par l'appel au secours qui est le sien, et la maîtrise qu'il signifie pour moi, ça c'est quand même ce qui distingue Levinas au sein de cette thématique commune. Voilà mon intervention.
Non, mais évidemment, c'est ce que je disais dès le début, quoi, je ne pense pas que. Ce qui m'intéressait, c'est de voir, de montrer, genre aussi pour moi, qu'il y a une envie commun. Hein, les conclusions sont différentes. Mais l'envie et la frustration initiale, la radicalité du geste, ça, c'est vraiment partagé. Après, les détails, évidemment, c'est pas la même chose. Parce que les guerres sont différentes, les ennemis sont différents, c'est tout à fait distinct. Mais effectivement, Wittgenstein. Nous savons tous, c'est un philosophe du langage avant tout. Il a insisté sur cette sphère, c'est ça qui l'intéressait. Levinas, c'est beaucoup plus riche que si on cherche quelque chose de particulier sur la responsabilité, c'est évident, et sur le rapport à autrui en particulier. Mais le paradigme, dirais-je, n'est pas complètement. Les autres questions ? Des autres questions ? J'ai une petite question. Votre exposé est super clair, mais il y a une chose qui me gêne depuis le début un petit peu, c'est que bon, tu parles du souci de l'autre qui est omniprésent, mais il me semble qu'il y a une ambiguïté dans deux notions du souci de l'autre. Ce dont tu parles la plupart du temps, c'est le souci de l'autre dans un projet commun, au sein d'un projet commun. Mais le souci de l'autre comme souci pour l'autre, ça disparaît. C'est notamment le souci pour l'amour de l'autre ou pour le bien de l'autre. Voilà. Il y a cette ambiguïté sur la notion de souci de l'autre. C'est le souci de l'autre ensemble, en coaction, ou le souci pour l'autre. Ça me gêne. Oui, bien sûr, tu as raison sur ce point, c'est très intéressant. Évidemment, chez Wittgenstein, il n'y aura pas les théories de ces soucis d'autres. Néanmoins, le fait de redéfinir les mondes à partir de l'autre, même sinon, il n'a pas fait une théorie d'action vers l'autre. Mais le fait même de définir le monde et la subjectivité et la raison d'agir par rapport à la présence de l'autre dans le monde partagé, c'est déjà un geste, à mon avis, fondateur. Et c'est un geste qui, précisément, comme le geste lunatien, protège contre un certain type du scepticisme. Mais bien évidemment, tu as raison. Plein de questions, d'abord félicitations, je vous ai vraiment, vraiment passionnant. Et sur cette question, la métaéthique, la manière dont se rencontre l'entreprise de l'Église de Wittgenstein, j'ai une vraie question, je le crois vraiment, en tant que spécialiste aussi de l'empirisme, cette question-là de comment ça se détermine peut-être aussi chemin faisant, ça, les limites de l'éthique chez Wittgenstein, et c'est présent dans les deux citations que tu as données de Cadal et de Corrada et moi, de la détermination a posteriori, vraiment dans l'expérience, des limites de nos partages, comme vous disiez, nos partages avec les solutions, mais on ne sait pas à l'avance, dit Corrada et moi dans la citation, quels vont être ces partages, et c'est ce que dit Cadal aussi. Effectivement, même chez les philosophes de la tradition que je n'appuie pas, moi, on n'a pas de réponse à cette question. On ne sait pas exactement. C'est ça la question principale aujourd'hui dans la métaéthique. Comment exactement savoir ce qui. Comment exactement savoir quels sont les critères qu'il va falloir prendre en compte, par où aller, etc. Le langage même est en train d'être défini. Donc là, par rapport aux auteurs complètement là, je n'ai juste pas de réponse parce que la question est en discussion. Par rapport à Levinas, là, j'ai l'impression d'être plus compétente. La traduction sans un levier, là, que je vais retrouver, c'est vrai qu'elle est comme quoi les traducteurs sont formidables, elle trouve une version très très jolie. C'est une vision, la parole et l'activité humaine, leur santé mentale et leur communauté ne reposent sur rien de plus que ça, mais sur rien de moins. C'est une vision aussi simple qu'elle est et aussi difficile, on va en fait par ce qu'elle est, que la Merci beaucoup. Let us thank our previous speaker.